Hey, salut tout le monde, c'est Mister Flo. Donc juste pour vous dire, désolé pour l'épisode 2 et 3 où il manque les deux premières minutes. Problème de record, encore bordel, vous avez 20 minutes de record et paf, vous passez à 22 minutes, du coup il manque les deux premières minutes. Donc épisode 2, j'ai dû aller chasser, donc j'ai trouvé un marc sur un cadavre. Voilà pourquoi j'ai l'arc en fait, c'est pourquoi je tue des animaux. Et l'épisode 3, j'étais en train de me balader juste et j'ai trouvé une carte, donc ce que j'essaie d'ouvrir en fait au tout début, mais rien de plus important. Voilà, donc je vous laisse bon épisode et ciao. Pourquoi il y a une corde? C'est comme dans la pub là où il y a l'espèce de bonhomme orange qui gueule fort. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Je sens ça vous faire chier si je dis j'ai faim tout le temps. Allez, on cherche les flèches. C'est quoi ça? Ah, il faut quelque chose pour l'ouvrir. Con, c'est maintenant que je l'avais, enfin que je... voilà. Si je mets un coup de pied dedans, ça marche pas. Il y avait un truc en dessous. Le cerf. Techniquement, je te l'ai mis dans le cœur. Ok, d'accord. Elle a dit c'est des trucs, on n'a pas quelque chose là. Ok, on va en souffrir. Ah non, c'est lui là. Oh, tu connais d'où? Je sors depuis 1887. Ah, la pauvre. Ah, la petite théorie de la jungle, manger ou être mangé. Ouais, vas-y, sur ça. Retour au camp. Je peux pas récupérer mes flèches. Non, je peux pas. Écoute, Lama, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Oh le bâtard. Headshot, motherfucker! Je sais pas. Bon, il a eu peur, je crois. Ouah! Putain, il me fait peur! Fais plein, lol. Moi, il y a un lapin là. Moi, il y avait un lapin là. Il est où le lapin? Pourquoi est-ce qu'il y a un lapin bleu qui se promène? T'arrêtes pas de charger d'un coup comme ça? Oh, le lapin. Oh. Ah, t'es sérieuse là? Pouh, lapin! Ok, donc au bout d'un moment, elle se m'a tremblé quand même.
Ouais, je pense que c'est bon. La porte de qui va s'envoler. Bah ben, il s'envole. Ah non, il s'envole pas en fait. Bon bref. Ah qu'est-ce que soit Guy. Je savais pas que je pouvais faire ça. On prend les. Fais la marche de. Hein, là ouais, la marche du guépard ou du léopard. Ah, dans la jambe. Non, mais non. J'ai entendu arriver toi. Oh, je l'ai eu. Oh, j'aurais fait de bouffer tout ça. Et là-bas. Ah oui, c'est vrai, je peux passer par là. Là, c'est... D'ailleurs, c'est sur l'île. Merci. Il y a un truc là. Il y a un truc là-haut. Un truc qui brille là. Je veux savoir ce que c'est. Je sais si j'avance pas trop, hein, mais on voit des secrets comme ça, j'aime pas les laisser. Ah ah. Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Malita. Ah, c'est calme. Marque du singe. Ah, petit feu. Oh. Fait des cas en compétences. Ah, nice. On peut augmenter ses compétences. Instinct animal, mien. Des matières supplémentaires. Il faut absolument des démons pour récupérer des matières supplémentaires. Oh ça non. Pour l'instant on est pas mal, donc autant prendre un truc qui me sera vraiment utile. En fait ces deux là c'est parce que les mêmes. Gagner des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les caches de nourriture. Et là, c'est fouiller attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer les matériaux supplémentaires. C'est exactement rien. Mais bon, on va prendre celui-là. Voilà, comme ça, moi, je pourrais voir les animaux. C'est vraiment pas des chasseurs. Voiture stabilisée. Bon usage au sac ou pas, j'avais rencontré plus de munitions. Ah, ça j'aurais dû prendre. Compétence. Après on a indisponible. Et l'autre c'est quoi? C'est indisponible aussi. Ah, c'est pas mal. Je veux voir l'indisponible. Conrad Ross, capitaine de l'endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross! Tara! Tu es en vie! Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait,
Et puis il y avait un cadavre. Oh, on l'a violé. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était c'est d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Easy ce qu'il a fait, moi je le fais tous les jours. Musique de fond, c'est si tranquille. De la musique? Ah! Eh mais attends, on est passé par là tout à l'heure. What? Ok d'accord, c'est ouvert. Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Ah oui, effectivement. Allez, saute. Je vais passer par là. Oh, oui. Personnellement, je ne saurais jamais passer par là. Attends, c'est pas vrai, t'allais descendre alors. C'est bon. Descendre des. Oh putain, l'échelle. Je peux pas sauter. Non, je peux sauter. Non, je peux pas sauter. Ah si, je peux. Nicole, attends. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Actuellement, tu marches dans l'eau. Oh, des petits crânes, c'est beau. Oh non, c'est de la folie. Non, non, je ne sais pas. Voilà, voilà, ils me disent X, ils me surprennent. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Wow. Oui, un truc blanc. Pourquoi la manette vibre? Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. Ça fait trop la personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Mmh. Il y a le swage. D'accord, tout ça trouvé, putain. Le goût que vous entendez, c'est pas moi qui saute dans le micro, hein. C'est juste que c'est le vent dehors. C'est le vent sur la torche. J'en ai marre d'appuyer sur X. Il me faut quelque chose pour nous ouvrir. Putain, j'ai même marre avec mon manquant, ça je peux pas, ça je peux pas. Ah, le feu. Pyromane. Le pyromane, le petit fameux. Toute la forêt, oui, il peut. Ben voilà. Ouais, depuis le début, elle ramasse des trucs sur... Oh, putain, la musique, s'il te plaît. J'attends la musique. Mais merde. Allez, d'accord, faut... Yeah. Alors, c'est juste appuyé, non? Hop là. Ce serait trop... Enfin voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est trop facile parce qu'en fait elle est cassée juste en bas. Donc... Putain, elle cherche les secrets partout. En fait, il y a pas longtemps que je jouais à The Last of Us, d'ailleurs j'ai commencé à LP dessus, mais... Sam? Qu'il suis-je?
t'as entendu? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. T'es pas du tout gâché, ton art dépasse. Lara, surprise, ma femme. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Personnellement, je n'aurais pas à son élève. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Son pied traverse le sol. Tu es en train de me parler de la reine solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qui touchait de son vivant. Depuis les montagnes jusqu'aux mers. Je crois qu'elle a sommeil. Tombe dans le feu pour dormir. Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Merde. Ah ! Ah ! Les pièges à con, enfin la pièce. Il n'y a pas de dents encore. Voilà. Ah putain. Dans ton pied. Ok, donc il reste le machin. La attention. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous allez nous servir de ça? Ça fait longtemps, mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas.
Je vais jeter un œil. Okay. Lui, il est stressé. C'est que ça fait longtemps. Bon, les gens. C'est pas si mal. Hop, nouveau camp découvert. Je vais dire au revoir à la prochaine fois. Bye! Allez, à plus. Ciao, ciao.